Et bonjour, bonsoir les gars, c'est Vara et aujourd'hui on se retrouve sur une nouvelle vidéo. Aujourd'hui on se retrouve sur une vidéo légèrement spéciale. Aujourd'hui on se retrouve sur MC Creator. Alors pour ceux qui ne connaissent pas ce logiciel pour créer des modes Minecraft et facilement. Et aujourd'hui je vais faire une série de tutos. Car en effet j'ai récemment un ami, je vais vous donner son nom, Waltex, qui vient de commencer, qui a envie d'apprendre. Et il a la flemme, voilà, après c'est incompréhensible vu que c'est un gros flemmard. Et donc aujourd'hui je vais vous faire mon tutoriel, je vais faire une vidéo tuto, vous pourrez les regarder si vous voulez vous aussi commencer. Et aujourd'hui on va commencer par les blocs. Alors les blocs c'est plus simple, hein, mais je ferai une série, je parlerai des items, je parlerai aussi du code avec le type Scratch, on va dire. Parce que MCreator est un très bon logiciel pour créer des mods, mais tu peux faire tout ce que tu peux faire en codant, mais plus facilement. Aujourd'hui, j'ai déjà ouvert un mode, hein. C'est un mode que j'ai commencé à créer. Un mode où j'ai créé des textures, créé des blocs de Minecraft en HD. Et aujourd'hui, je vais vous montrer comment faire un bloc. Alors, faire un bloc, c'est très simple, on va dire. Donc, déjà, je vais commencer par importer les textures dont j'ai besoin. Alors, soit vous les importez par ici, vous allez dans ressources et dans importer textures, vous choisissez dans votre ordinateur. Ou soit alors, vous allez ici et vous aurez un truc qui va s'ouvrir pour modifier, pour créer des textures qui s'appelle Scratch d'ailleurs. Alors, je vais commencer par faire, voilà. Spruce Trunk, voilà, hop. Alors, je vais faire certains arbres. Alors, je vais tout vous expliquer de A à Z. Alors là, quand en fait ici déjà, attendez, je vais vous montrer quelque chose. Ici, c'est là où vous pouvez créer tout ce qu'il y a dans le jeu. Alors, de préférence, je vous conseille de mettre en français. Alors, je vais vous montrer là maintenant tout de suite comment mettre en français. Alors, donc, c'est le Vara du futur qui vous parle. Alors, pour créer un mode et le mettre en français, ou même juste mettre MCreator en français sans passer par le création de mode, vous cliquez ici, c'est tout simple, vous cliquez ici, là vous avez les langues. Alors de base c'est en anglais, donc English United States, sauf qu'il vous suffit d'aller en français et France. Quand il y a marqué 100%, c'est à dire qu'il est 100% traduit, vous appliquez, sauvegardez, vous redémarrez. Et donc du coup ici vous pouvez vraiment tout mettre. Alors vous pouvez faire des distances, des items, des armures, tout plein de choses, une chose très très intéressante, mais ça on fera tout un par un. Et d'abord, nous allons commencer par les blocs. Les blocs, c'est le plus simple. Alors, je vais l'appeler Spruce Wood Log HD. Voilà. Alors, je vais commencer par mettre les textures. Voilà, Spruce Trunk, Strunk 1, Spruce Trunk, etc. Là, je vais me tromper. Ici, là, c'est là. Ici. Spruce Trunk, voilà, on met des choses qu'il faut, voilà. Alors là c'est pour faire mon arbre. Alors ça, bon, ça vous n'en avez pas besoin, enfin ça vous mettez les textures que vous voulez, que vous avez créé préalablement ici ou alors importé. Donc ici vous avez plein de choses. Alors moi j'ai en français, du coup vous avez le modèle du bloc. Alors ça c'est en fonction de si vous faites de l'herbe, par exemple cross modèle c'est de l'herbe, crop modèle je n'ai jamais essayé, grass block ça c'est un style genre si on met un bloc dessus, ça va devenir un autre bloc, si on met un bloc dessus en gros. Mode de rotation, alors ça c'est en fonction de ce que vous voulez. Moi je vais mettre log rotation, ça imite les rotations. Par exemple si vous posez dans un certain ordre, enfin un certain angle, ça va ça va le tourner. Je vais mettre log rotation moi personnellement. Y axis rotation, ça c'est en fonction de la face du bloc. C'est en fonction de la classe du bloc, quoi. Je me fais harceler. de la face du bloc, c'est écrit. Ça, c'est fixé de non rotation. C'est peu importe le sens dans lequel vous posez, c'est toujours la même chose. Y rotation, c'est en fonction du côté du joueur. S'il est au-dessus, ça va être au-dessus, etc. Rotation from player side, ça, c'est la même chose. Et voilà. Bon, moi, je vais mettre log rotation. Ça, c'est pareil. En fait, tous les trucs comme ça, c'est pareil. Type de teinte, alors la traduction française est approximatif. Alors ça je n'ai jamais utilisé, donc je vais pas pouvoir vous dire, je vais pas non plus tout dire, mais voilà. Après ça dépend, teinté ça j'ai jamais essayé. Base de bloc, alors ça si vous faites des escaliers, des demi-dalles, des barrières, etc. Il y a tout ça. Texture de l'objet du bloc, ça c'est quand vous l'avez dans les mains normalement, voilà, dans la main. Et ça, c'est les particules du bloc. Vous pouvez créer vos propres particules.
type transparent, ça, on n'a pas besoin que ce bloc soit très transparent. Par exemple, si vous créez des feuilles, et ben il va être transparent. Des feuilles transparentes. Bah, c'est tout à fait logique. Cocher pour cacher la texture fluide en cas de submersion. Alors ça, je n'ai jamais fait. Voilà, donc le plus important. Alors les boîtes de collision, ça on verra un autre épisode parce que les boîtes de collision c'est quelque chose de plutôt compliqué et je suis toujours pas prêt à les utiliser. Ce qui vous intéresse ici c'est les propriétés. Alors les propriétés c'est là vous pouvez changer le nom in-game que vous aurez dans les mains. Alors, donc quand vous aurez l'item dans les mains, ça vous affiche le nom, ça mettra, moi ça mettra Spruce Log ou de Log HD. Ici alors le matériel. Le matériel c'est comment dire, c'est le matériel du bloc, ça on s'en fiche, enfin ça s'en fiche, non mais. Si c'est du bois, ça partira dans les mêmes spécificités que du bois par exemple. Là, le son du bloc, enfin le son du bloc, pas que, genre c'est quand on marche sur le bloc, etc. Moi je vais mettre wood, genre quand on marche sur le bloc, voilà. Ça, c'est l'inventaire. Alors, soit tu mets, soit vous mettez aucune, soit vous mettez des trucs, ou alors vous créez une custom, ça on verra aussi plus tard. La dureté, c'est écrit ici, la dureté c'est temps nécessaire pour miner le bloc, et la résistance, c'est la résistance aux explosions. La glissade, ça c'est si vous glissez, en fonction, enfin, plus le quotient est haut, plus vous glisserez loin si vous marchez dessus, et vous serez ralenti quand vous courez. Facteur de saut, ça, si je ne dis pas de bêtises, c'est la hauteur de saut. C'est à fonction de si vous êtes dessus, si tu sautes plus ou pas. Facteur de vitesse, c'est comme là sous le sand, ça ralentit, je dois reconnais dessus. La luminance, ça c'est la lumière, ça c'est la luminosité que ça projette. L'opacité de la lumière, ça c'est rapport, c'est pour la puissance de la lumière. À une gravité, alors ça c'est intéressant. À une gravité, si vous le cochez, l'objet, enfin le bloc fera comme du sable ou du gravier, c'est-à-dire il tombera. Peut-être traverser, bah tout est dit, si on peut le traverser. Activer le rendu emissing, ça je ne sais pas ce que ça veut dire, mais je pense à mon avis c'est en rapport avec ça, c'est ça, c'est pour activer qu'il y ait de la lumière. Non. Drop personnalisé, alors ça vous choisissez un item parmi vos mods ou toutes les trucs de la du de Minecraft. Alors moi je tiens à 16.5, hein. Je mettrai bien en description des blocs. Si vous mettez par exemple, vous allez voir, je vais mettre les feuilles par exemple. Les feuilles, genre quand je casserai le bloc, je dropperai des feuilles. Vous verrez quantité de drop, là c'est le nombre d'items que ça drop, d'items sélectionnés en haut. Table de butin, ça on verra plus tard. Éléments de sélection créative, c'est si par exemple vous sélectionnez l'item avec, bon par exemple c'est clic molette pour le prendre rapidement. C'est ce que ça vous donnera. Si ça vous donne, par exemple si vous mettez, je vais vous montrer, un lit, c'est débile, hein. Je ferai ça me donnera un lit et ça me donnera pas ça me donnera pas le bloc en lui-même. Outils capables de le détruire, alors ça c'est pioche, hache, épelle et houe. En gros, si vous mettez pioche, ça minera plus vite si vous avez une pioche. Les mains, moi je vais mettre H, c'est logique, etc. Moi je vais mettre H. Niveau de récolte, quand des outils pour casser. Alors, ça, c'est en fonction de si, on va dire, comme par exemple pour miner du fer, vous pouvez pas le miner avec une pioche en bois. Ben là, c'est pareil, vous pouvez pas miner si vous avez pioche en. Ben, ici, on va mettre qu'il faut au moins de la netherite pour casser mon bois, c'est débile. D'accord. Mettre qu'il faut au moins de la netherite pour casser mon bois. Faut un truc de niveau 4. Si je mine par exemple avec 0, 1, 2, 3, donc avec la main, le bois, de la pierre, du fer, du diamant, ça ne droppera rien. Par contre, si je mine avec de la netherite, ça ne droppera. Est-ce qu'il est incassable? Ça, tout est dit. Et remplaçable? Alors ça, je ne vois pas. Faut que je regarde d'ailleurs. Paramètres, le joueur pourra placer un autre bloc dessus. Voilà, par exemple. Ah oui, c'est. Oui, d'accord, j'ai compris. En fait, ici, on peut placer des objets dessus, genre des feuilles et tout. D'accord. Les tick rates, ça on n'a pas besoin, les trucs avancés. Quand du bloc sur la carte, bon ça je vais quand même vous expliquer. Quand du bloc sur la carte, c'est quand vous ouvrez, quand vous avez une minimap, quelle couleur apparaîtra le bloc, c'est pas compliqué. Modificateur de couleur de la balise, alors ça c'est si par exemple vous mettez sur la balise, vous mettez l'item, enfin le bloc, vous le posez, ça changera la couleur du faisceau de la balise. Voilà, on n'a plus besoin. Alors anti-détail, ça aussi nous verrons plus tard. Stockage fluide d'énergie, ça aussi. Déclencheur, ça aussi. Voilà, génération, ça c'est le plus simple. Si vous mettez surface par exemple, ça veut dire qu'il générera dans la surface du monde. Ça c'est le bloc qui remplacera en générant. Par exemple, ça minerait, ben, vous mettez stone. Bon, je vais l'enlever moi par contre, je vais enlever ça. Parce que moi personnellement, je ne le mets pas. Restriction des biomes, ça c'est si vous voulez que la bombe océan, des déserts et tout. Alors,
Et si vous avez nos moyens de groupe de minerai par tronçon, tronçon c'est des chunks pour ceux qui parlent en, pour ceux qui jouent en anglais. En gros, si ça, ça veut dire qu'il peut avoir 10, 10 groupes de minerai par tronçon. Ça, c'est le nombre moyen de minerai dans un groupe. Si vous mettez 6, bah il y aura au minimum 6 minerai dans un groupe. Ça, c'est les hauteurs de génération. Ça, je vous laisse regarder. C'est avec ça, ça. C'est une génération additionnelle. Alors, ça, j'ai jamais vu. Et voilà, c'est tout. C'est comme ça qu'on fait un bloc. Maintenant, je vais vous montrer en lançant le. En lançant le launcher, enfin en lançant Minecraft. Alors pour lancer, c'est simple, vous avez juste à appuyer ici et ça vous lancera. Donc nous voilà dans le monde. Alors dans le monde, il y avait des blocs. Ça, je vous expliquerai dans une vidéo de quoi je vais en faire mes blocs HD là. C'est bon. Donc, alors on va aller ici. Ici, il y a tous mes blocs. Voilà, Spruce Wood Log. Voilà, je pose. Si je le prends avec mon clic molette pour la joue rapide, c'est genre par exemple si vous n'avez pas de bloc, faites ça, ça le donne. Ça va donner un lit comme vous pouvez le voir. Et maintenant, je vais me donner une hache en netherite, je vais en poser deux. Ah, ça, vous voyez, si je pose là, ça les pose dans le bon ordre, dans la bonne direction. Je pose un deuxième. Je vais prendre netherite, axe, voilà, on mettra un troisième même. Voilà, slash game mode survival. Voilà, vous voyez, si je le pète à la main par exemple. Ça me drop rien. Ça va de à l'heure. Si je pète avec une hache en netherite, ça va me dropper d'items, donc mes feuilles. Et ça va me le casser plus vite. Vous voyez? Alors que si par exemple je casse avec. Je sais pas moi. Wooden. Je sais pas moi. Axe. Attends, c'est quoi déjà? Ah non, man. Wooden. Axe. Hop. Ça va pas drop. Ça mine un peu plus vite. Ça drop rien. Voilà, et en fait, du coup, c'est ça. Et donc, voilà. C'est ça, c'est tout pour les blocs. C'est vraiment facile, les blocs. C'est vraiment, il n'y a pas plus simple. Tu m'agresses, toi. Il n'y a pas plus simple. Et du coup, bah, je vous laisse. Et j'espère que la vidéo vous aura plu. Et ciao, les gars.